الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أنه يجب الإيمان برسول الله، وذكرنا تعريف النبي وتعريف الرسول. هنا سأتي أبغدي دون لو ليفر بغية الطالب على باج 76 qu'il faut croire au messager. Et on a défini qu'est-ce qu'un prophète et qu'est-ce qu'un prophète messager. Al-Rasoul man uhi ilayhi bi shar'in jadid, al-Nabi man uhi ilayhi bi tiba' shar'in man qablahu. Un messager, un prophète messager, c'est celui qui a reçu une nouvelle loi. Et un prophète non messager, il a reçu la révélation de suivre les lois du prophète messager avant lui. وأول الرسل إلى الكفار سيدنا نوح، أما أول الأنبياء وأول الرسل على الإطلاق هو آدم. Le premier messager pour les non-croyants c'est نوح. نوح est le premier messager pour les mécréants. وهذا الذي جاء في حديث الشفاعة العظمى، اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل إلى الأرض. Allez-y vers نوح. Il est le premier messager pour les gens de la terre, c'est-à-dire pour les mécréants. Et sa communauté était plusieurs tribus. Amma awwalul anbiya huwa Adam. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ala Imran wa Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al-alamin. Alors Adam c'est un prophète messager et c'est le premier prophète messager. Ja'a fil hadith alladhi rawahu at-Tirmidhi Adam faman siwahu min al-anbiya تحت لوائي يوم القيامة. آدم فمن سواه من الأنبياء، يعني كان نبيا، وإذا كان نبيا إذن كان رسولا، لأنه ما في رسول قبله، ما في بشر قبله. Alors le hadith de Tirmidhi que le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit Adam et tous les autres prophètes, Adam et tous les autres prophètes seront sous ma bannière le jour du jugement. Ça veut dire Adam est un prophète. Et s'il est un prophète, c'est un messager. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un messager avant lui. C'est celui, le premier homme qui a reçu la prophétie et par la suite des lois. Mais il y avait au temps d'Adam le mariage. Et il y avait des choses obligatoires, il y a des choses interdites. « Kanat salat tajib ala Adam, fi salat mafroud alayh, kan al-sawm yajib alayh, kan yahrum alayhi al-zina, wa yahrum alayhi al-liwat, wa nahu dhalik. Hunak ashya muharrama, hunak ashya wajiba. » وآدم علم أولاده إذن كان نبيا رسولا. Alors Adam était un prophète messager qui a reçu des lois, qui a informé ses enfants qu'il y a la prière qui est obligatoire, il y a le jeûne, et il aura enseigné ce qui est interdit, que soit le cochon, le vol, la fornication. Alors s'il a enseigné à ses enfants ces lois, ça veut dire lui-même était un prophète messager. وأجمع المسلمون على ذلك وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع كما في كتاب مراتب الإجماع. Alors la prophétie de Adam est connue d'une manière évidente. Il y a l'unanimité des savants de l'islam. C'est une chose connue chez les savants et les non-savants. Alors celui qui nie la prophétie de Adam est un mécréant, comme ça a été rapporté dans le livre مراتب الإجماع. هذا الكتاب ألفه ابن حزم. ابن حزم الظاهري أفيل ليفر مراتب الإجماع يقول فيه من شك في هذه الأشياء المذكورة أنها مجمع عليها يكفر. إلى دي ابن حزم ولا je vais citer des choses ici pour laquelle il y a de l'unanimité celui qui doute à ce sujet mécroit. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشك فيه فهو كافر والذي يشك في رسالته أيضا كافر. Celui qui doute est-ce que Adam est un prophète ou non il mécroit. Celui qui nie sa prophétie est mécréant. Celui qui doute est-ce qu'il a mécru ou non, encore il a mécru, comme il a dit Ibn Hazm. وبلغنا من بعض المعاصرين الذين يعني يقول يجب الإيمان بالرسل أولهم نوح آخرهم محمد. وآدم وشيس وإدريس. Il y a certains qui a fait un livre. Il a dit, il faut croire aux messagers. Le premier, c'est Noé. Le dernier, c'est Mohammed. Il faut croire aux messagers. Le premier, c'est Nuh. Le dernier est Mohammed, alayhi salatu wasalam. Et Adam, et Shif, et Idris, ce sont trois prophètes messagers qui étaient avant Nuh, par l'unanimité.
هلا الافضل ان نقول الانبياء جمع كثير، ورد احاديث ضعيفه 124 الف نبي، حديث من الف، افضل ان نقول جمع كثير. alors les prophètes c'est mieux de dire qu'ils sont un grand nombre. Parce qu'il y a un hadith rapporté par Ibn Hibban qui sont 124 000. Mais ce n'est pas un hadith confirmé. Il y a un autre hadith qui dit qu'ils sont 8 000. Encore, ce n'est pas confirmé. C'est mieux de dire que c'est un grand nombre. Al-Rusul warad annahum 313. Tandis que les prophètes messagers, on rapporte qu'ils sont au nombre de 313. والإيمان بالكتب وهي كثيرة، لكن أشهر هؤلاء الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، يعني القرآن. Les livres révélés, on rapporte qu'ils sont 104, parce que tu parles des feuillets de Ibrahim et Moussa, tu parles de livres à Achith, à Idris. Alors, عدد الكتب المنزلة 104، أشهرها, le plus célèbre, القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. علما أن الزبور حكم ومواعظ. Zabur, les psaumes, c'est plutôt des conseils. Et Daoud, il mettait en pratique ce qui est dans la Torah. في الإنجيل الأحكام التي نسخت بعض الأمور قليلة. Les lois qui ont abrogé dans le livre de Jésus, qui ont abrogé dans la Torah, c'est très peu. C'est très peu des lois. ليس شيئا كثيرا. لم ينسخ حرمة أكل الخنزير ولا حرمة الدم ولكن النصارى يأكلون. Ça n'a pas été abrogé l'interdiction du cochon, mais lorsque les chrétiens le mangent, malgré que Jésus n'a pas abrogé. Le sang qui coule n'a pas été abrogé, mais le chrétien le mange. Mais ça n'a pas été abrogé. Mais eux, ils ont fait un système à eux, que eux-mêmes changent, eux-mêmes ils décident, et ils changent dans leur religion. ويجب الإيمان بالكتب وهي كثيرة لكن أشهر هؤلاء الأربعة قلنا نحن القرآن هو محفوظ من التحريف والتبديل التوراة والإنجيل والزبور هذه حرفت لا توراة ليفانجيل parce que d'ailleurs tu entends les évangiles parce qu'ils étaient 70 même ou plus après ils se sont mis d'accord pour 4 et il y a beaucoup de changements beaucoup de contradictions entre ces livres Et la Torah, on a beaucoup changé. Il y avait des choses où il s'est mentionné les attributs du prophète Mohammed, tout ça, ils ont enlevé. Et d'autres places. أما القرآن فهو محفوظ من التحريف. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن كثير من الأئمة الاثني عشرية يقولون بتحريفه. أئمتهم الكليني وكذا. وينسبون هذا إلى أئمة آل البيت طبعا هذا كذب أهل البيت أئمة آل البيت لا يقولون بتحريف القرآن j'ai dit que le Coran est préservé il n'est pas falsifié il y a des versets que le prophète a transmis à ses compagnons que sont abrogés par la lecture ou par le jugement il y a des versets abrogés par le jugement et on les lit et il y a d'autres qui sont abrogés par jugement et par la lecture Et ce Coran n'est pas, il n'arrive pas à le falsifier. S'ils essayent, on découvre. S'ils essayent, on découvre. Les musulmans, ceux qui ont appris le Coran par cœur, c'est quelques millions. C'est pas quelques milliers, c'est quelques millions qui ont appris le Coran par cœur. Mais j'ai dit dans les Shi'as de l'imamiyya de 12 imams là, leur imam, c'est-à-dire le Kulayni et d'autres, ils disent que le Coran est falsifié. Et ça c'est très grave. Le fait de dire c'est lui qui nie une lettre ou qui ajoute une lettre ou qu'il dit que c'est falsifié, c'est de la mécréance. Et ils attribuent même que le Coran était falsifié, ils attribuent ça à Fatima, ils attribuent ça à Al-Hussein, ils attribuent ça. Alors ça c'est du mensonge. Les familles, la famille du prophète Ja'far al-Sadiq, Ja'far al-Sadiq, il a bien loué Abu Bakr wa Omar et il ne disait pas comme eux ils disent à plus forte raison Al-Hussein, Sayyidina Ali, Sayyida Fatima Zahra sont innocents de ce qu'ils disent ces gens. قال وهب بن منبه قرأت 77 كتابا مما أنزل الله. وهب a dit j'ai lu 70 et quelques livres parmi les livres révélés. وهب c'est un savant juif qui a embrassé l'islam après la mort
ببروفة محمد عليه الصلاة والسلام، وهب أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ في شخصية خطيرة جدا هي عبد الله بن سبأ. C'est une personne qui était d'origine juive, qui a prétendu, qui a embrassé l'islam. Et celui-là, il a prétendu que Ali doit être le calife. C'est lui qui a commencé à parler de ça. Ce n'est pas Ali lui-même qui a dit non, c'est celui-là. Et d'ailleurs, celui-là, il a insulté les compagnons. Il a voulu faire une division. Et il a réussi. Il a fait une division. Il y a des gens qui l'ont suivi. Et même après, il y a des gens qui ont adoré Ali. Alors Ali les a brûlés. 40 personnes, il les a brûlés. Ils étaient influencés par Abdullah ibn Sabah. والقرآن هو الكتاب المهيمن على الكتب السماوية، يعني به نعرف هذا إذا كان صحيح أم لا. par le Coran tu peux appuyer ou dire c'est vrai ou c'est pas vrai de ce que les autres rapportent. S'il contredit le Coran, on dit voilà, c'est pas juste. Si c'est quelque chose qui est confirmé dans le Coran, alors on dit oui, on peut dire que c'est parmi les choses qui étaient dites avant par les prophètes, si c'est confirmé par le Coran. يعني هو الحاكم على الكتب السماوية الأخرى لأنها الأخرى حرفت وبدلت. أما ابن تيمية يقول التوراة والإنجيل ما حرفت باللفظ، حرف بالمعنى. ابن تيمية il dit il y a trois avis au sujet de التوراة والإنجيل. Il dit il y a un avis qui dit la plupart est falsifié. Il y a un avis qui dit très peu a été falsifié. Il y a un avis qui dit non, il n'y a rien qui est falsifié par les termes, mais par l'explication et la signification, c'est là. Et il dit l'avis juste, c'est le dernier. Alors lui, il dit l'avis juste, c'est le dernier. Alors il dit que la Torah et l'Injil n'a pas été falsifié par les termes. Et par la suite, ils prennent ça comme référence dans l'Aqidah. C'est pour cela qu'il a pris une place dans l'Injil qui est falsifié. Il a pris comme argument, il a dit que Jésus a dit aux Hawariyin, si vous avez pardonné aux gens, d'ailleurs nous les humains on pardonne rien, mais Allah, votre Père qui est au ciel, il vous pardonne. Jésus a dit pour Allah votre Père, Ibn Taymiyyah il a dit, ça c'est dans l'Injil, et lui il croit que ce n'est pas falsifié, c'est-à-dire il a attribué à Jésus le fait de dire pour Allah le Père. Et c'est lui qui dit Allah est le Père, n'est pas musulman, n'est pas musulman. Et ça, il l'a dit dans Majmou' al-Fatawa et dans plusieurs livres. Dans plusieurs livres. Et j'ai ces livres. Et donc, Hadar Rajul, Ibn Taymiyyah, قال, Allah Ta'ala, قال عن الله, أن عيسى قال في الإنجيل للحواريين, إن أنتم غفرتم للناس, فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم. وذكر كلام عاد اللفظ مرتين. Abokum ou Abakum. Il a dit à deux reprises que Jésus a dit pour Allah notre Père, votre Père. Et الذي يقول عن الله أبانا الذي في السماء وأبوكم وأباكم لا يكون مسلما لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. وهو نسب هذا إلى عيسى. نسب هذا إلى عيسى. Il a attribué ça à Jésus. إذن هو ليس بمسلم. كذب على عيسى. Il a menti sur عيسى et sur l'Injil. وكفر بهذا. يقول المؤلف رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. Il faut croire à la prédestination du bien et du mal. تبه هنا لما تقول يجب الإيمان بالقدر المراد به الصفة. Lorsqu'on dit il faut croire à la prédestination, c'est-à-dire l'attribut de Dieu. L'attribut de Dieu, la prédestination, il faut croire à ça. Lorsqu'il a dit khayrihi wa sharrihi, lorsqu'il a dit khayrihi wa sharrihi, ça revient al-qadar, mais dans le sens ce qui est prédestiné. Parce que ce qui est prédestiné, il y a du bien et il y a du mal. Ce qui est prédestiné, il y a du mal et du bien. Mais la prédestination de Dieu pour toute chose, c'est du bien. Tu vois, nous, lorsqu'on dit il faut croire à la prédestination, on parle concernant l'attribut de Dieu.
Mais ce qui est prédestiné, on ne dit pas on doit croire à ce qui est prédestiné. Il y a des milliards de choses qui sont prédestinées. Qu'est-ce que tu veux croire à ce qui est prédestiné? Mais à la prédestination de Dieu. Mais pourquoi il a dit khayrihi wa sharrihi, le bien et le mal? Et il a dit ça en revenant l'article, le ha, vers le mot al-qadar, mais dans un autre sens qui est ce qui est prédestiné. Et ça, c'est un style dans la langue arabe. Istikhdam, le fait de revenir l'article au mot par un autre sens. Mais au début, tu l'as utilisé dans un sens. Et après, tu le retournes, l'article ou le pronom, avec un autre sens. Par exemple, on donne l'exemple, l'énorme mythal, à la قول الشاعر إن إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا إن إذا نزل السماء يعني المطر في أرض قوم نزل المطر في أرض قوم رعيناه أي العشب والهاء ترجع على المطر ولكن رعيناه يعني العشب إذا رجع الضمير على المطر بمعنى العشب. Alors le poète a dit si la pluie descend dans une terre on le pâture, on ramène notre troupeau pour manger. Mais manger l'eau, non. Ce qui est poussé par l'eau. Alors, l'article est revenu vers le mot ce qui descend du ciel, mais il est revenu dans le sens herbe, plante ou herbe. Alors, tu vois, il a utilisé au début dans le sens l'eau qui descend du ciel, puis après, lorsqu'il a fait retourner l'article, le ha ou damir, il l'a utilisé dans le sens herbe. Et ça s'appelle istikhdam. Tu vois? Alors, hada fil lugha al-arabiyya jaiz. Falamma qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawm al-akhir wa bil qadar khayrihi wa sharrihi. Bil qadar huwa taqdirullah al-azali, yajib al-iman bihi. Amma qawluhu khayrihi wa sharrihi, raja'a ala al-qadar bima'na al-maqdur, li'anna al-maqdur minhu khayr wa minhu shar. Lorsqu'il a dit dans le hadith Jibril, Al-Iman, la foi, croire en Dieu, à ses anges, à ses messagers, à ses livres, au jour dernier, et à la prédestination du bien et du mal. À la prédestination, c'est l'attribut de Dieu. Du bien et du mal, là, on l'a retourné, s'agissant du bien et du mal, mais en voulant par ça ce qui est prédestiné, parce que ce qui est prédestiné, il y a le bien. Comme la foi et la prière et le jeûne. Il y a le mal comme la mécréance et le vol et l'alcool. Il y a quelque chose prédestiné dans le bien, il y a quelque chose prédestiné qui est dans le mal. Mais la prédestination de Dieu pour toute chose, c'est du bien. Al-muqaddar, al-maqdour, منه خير ومنه شر أما تقدير الله الأزلي كله خير كله حسن خلق الله لكل شيء حسن وتقدير الله لكل شيء حسن لأن الله لا يوصف إلا بالكمال. La création de Dieu pour toute chose c'est du bien, la prédestination de Dieu pour toute chose c'est du bien, parce que Allah Ta'ala a les attributs de perfection. On ne dit pas Allah a fait ça c'est du mal, Allah est les malfaiteurs, on ne dit pas ça. Allah est le créateur, il a créé toute chose et de sa part c'est du bien, il a prédestiné toute chose, de sa part c'est du bien. Le mal on attribue à l'être humain lorsqu'il a fait ce qu'Allah a interdit. Lorsque l'être humain agit d'une manière qu'il a désobéi à Dieu, on a dit c'est du mal. Mais tu ne vas pas dire ça c'est du mal en lui-même, indépendamment de ce que Dieu a interdit. Non. Puisque Dieu a interdit, alors c'est du mal. Allah Ta'ala a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Est-ce que c'est du mal? Non, c'est du bien. Parce que Allah a ordonné. Even. أمر الله إذا أمر الله بشيء فهذا الأمر الذي أمر الله به خير. الذي نهى عنه يكون شر ما في شيء نقول هذا شر يعني انه هذا معصية بنفسه بغض النظر عن امر الله لا هذا المعصية لان الله نهى عنها اليس الله امر ابراهيم ان يذبح ولده واسماعيل بلى فاخذ ابراهيم السكين واجراها ولم تقطع وكذا فعل ابراهيم هذا ليس اجراما إنما طاعة لله لأن الله أمر. Ce qu'il a fait Ibrahim, c'est pas de la criminalité. Bon, Ismaïl n'a pas été égorgé parce que Allah n'a pas voulu. لكن فعل سيدنا إبراهيم
ليذبح ولده إسماعيل لم يكن معصية وإجرام، بل كان طاعة لله لأن الله أمر، لأن الله أمر. انتبهنا؟ فإذا الحرام هو حرام لأن الله نهى عنه، الحرام سي حرام بس كو الله تعالى انتردي سولا. طيب، فإذا ذكر القدر أولا بمعنى تقدير الله، ثم عيد الضمير هنا بمعنى المقدور، وذلك لأن تقدير الله تعالى حسن ليس حسن ليس شرا، تقدير الله لكل شيء حسن، لا بريديستيناسيون دو ديو بور توت شوز اي دو بيان، والمقدور يشمل الحسن والقبيح والخير والشر. alors le ce qui est prédestiné, il y a le bien et le mal, il y a le ce qui est bien bon et ce qui est mauvais, ce qui, voilà, mais tout est prédestiné par Dieu. وهذا قلنا اسلوب من اساليب البلاغه عند العرب، ça c'est un style dans la langue arabe. يعيدون الضمير بمعنى آخر، ذكرنا on a cité le vers de poésie. فالواجب الذي هو أحد أركان الإيمان الستة هو الرضا بقدر الله أي تقديره. Les piliers dans la foi, c'est le fait de croire à la prédestination, que tout est prédestiné par Dieu Azza wa Jal, et tout ce que Allah a créé, tout ce que Allah a prédestiné, il y a des sagesses derrière. كل ما خلقه الله، كل ما نهى عنه الله، كل ما أمر به الله، كله لحكمة. Ce que Allah a créé, ce que Allah a prédestiné, ce que Allah a interdit, ce que Allah a rendu obligatoire, ce que Allah a rendu recommandé ou déconseillé, tout ça, il y a des sagesses derrière. Qu'on a su ou qu'on n'a pas su, il y a des sagesses derrière. لأن الله قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. On n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre pour s'amuser et jouer. Allah لا يلعب. Allah تعالى ne joue pas. Ce que Allah a créé, il y a des sagesses derrière. من أصغر شيء parmi les petites choses jusqu'aux grandes choses, il y a des sagesses derrière ça. فما كان من المقدور خيرا يجب الرضا به، وما كان شرا يجب كراهيته كالكفر والمعاصي. Alors dans ce qui est prédestiné, il y a ce qui est du bien. Alors ça on l'aime, ce qui est prédestiné dans le bien. Et il y a des choses qui sont dans le mal, comme la mécréance et les péchés. Ça on doit les détester. نحب الخير ونكره الشر. On aime le bien et on déteste le mal. وفي هذا الحديث في رواية والقدر كله، يعني إليا لو فيرسيون الإيمان بالقدر خيره وشره، كروار أو بريديستيناسيون دو بيان إي دو مال، إليا لا فيرسيون كروار أ لا بريديستيناسيون دون لا توتاليتي، دون لا توتاليتي، سيتادير كو توت إي بريديستيني باغ الله عز وجل. فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، لو مال سي باغمي نو زاك، لو بيان. Le bien parmi nos actes, c'est par la création de Dieu, la prédestination de Dieu et l'ordre de Dieu. Le mal, le mal, c'est par la création de Dieu, par la prédestination de Dieu, mais ce n'est pas par l'agrément de Dieu, ce n'est pas par l'ordre de Dieu. Allah ne nous a pas ordonné de désobéir et Allah n'agrée pas qu'on désobéit. Allah la ya'muru بالشر والظلم والعدوان. الله نوردون با لانجستيس اي لو مال لو حرام. ان الله لا يامر بالشر، الذي نهى عنه لا يامر. سوكو الله انتردي، الله نوردون با دو لو فير. قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس يحول بين الكافر والايمان وبين المؤمن والكفر. ايه دون القران واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. Et sachez que Allah Ta'ala met un voile entre la personne et son cœur. Il y a un voile entre toi et son cœur. C'est-à-dire, Ibn Abbas a dit, il met un voile entre le croyant et la mécréance, et le mécréant et la foi. Ça veut dire, ma ma'na thalik, ça veut dire celui qu'Allah a prédestiné pour lui la foi, et qu'il meurt en ayant la foi, et il met un voile entre lui et la mécréance. Et celui qu'Allah a su qu'il va mourir mécréant, et qu'il a prédestiné qu'il soit mécréant, puisqu'il a su qu'il va choisir la mécréance, il met un voile entre lui et la foi. معناه الذي علم أنه يموت مؤمنا وشاء أن يموت مؤمنا يحول بينه وبين الكفر والذي علم أنه يموت كافرا وشاء أن يموت كافرا ما علم كونه وأراد كونه فهذا يحول بينه وبين الإيمان. هذا معناه.
روى ذلك البيهقي في كتاب القدر. إذن تفسير الآية عن ابن عباس لإكسبليكاسيون دو الآية دو عبد الله فيس دو عباس العباس اي عبد الله قيل فيه حبر الأمة لو جران سافون دو سيت كوميونوتي باسكو il avait beaucoup de science. والنبي دعا له اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a fait une invocation en faveur de Ibn Abbas. Oh Allah, donne à Ibn Abbas la sagesse et la, dans la religion et l'interprétation de livres, يعني le Coran. وأيضا رواه الحاكم. Le hadith là encore, ça a été rapporté par الحاكم. البيهقي الحاكم. وليعلم أن مشيئة الله وتقديره أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران لأن التغير مستحيل على الله. Il faut savoir que la prédestination de Dieu ne change pas parce que le changement est inconcevable vis-à-vis de Dieu. Le changement c'est un signe de contingence. Celui qui change c'est une créature. C'est celui qui change n'est pas parfait, c'est une créature. Le changement c'est un signe que c'est une créature parce que celui qui change n'est pas éternel. Celui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Celui qui change, c'est un attribut en plus qu'il y a eu en lui. Alors, ce n'est pas un Dieu. Alors, c'est une créature. Al-mutaghayyir yahtaj ila man yughayyiru. Al-mutaghayyir hudouth sifa. Wal-hudouth yunafi al-uluhiyya. Al-taghayyir dalil al-ihtiyaj. Al-alam mutaghayyir dalla ala annahu muhdath. Sayyidina Ibrahim istadalla bitaghayyir al-kawkab wal-qamar wal-shams ala annahuma makhlouqat. Ibrahim a pris l'argument que l'astre et la lune et le soleil, c'est des créatures qui ne sont pas des dieux par le fait qu'ils disparaissent. Et leur disparition, c'est un signe de changement. Disparaît ici, il apparaît là-bas. Il sait, Sayyidina Ibrahim. Mais c'est un changement. Alors il a dit, non, je ne les adore pas. Je n'aime pas l'adoration de l'astre, ni du soleil, ni de la lune. وأما حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء هذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. Alors il y a un hadith que ne repousse ce qui est prédestiné, tu vois, ne repousse ce qui est prédestiné, et on parle ici la prédestination conditionnée. La prédestination conditionnée, et conditionnée c'est pas par rapport à la volonté de Dieu, c'est par rapport à l'écriture des anges. C'est par rapport à l'écriture des anges. Prédestination conditionnée par rapport à l'écriture. Pourquoi par rapport à l'écriture? Parce que pour des sagesses, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur le tableau, dans le tableau préservé, que telle personne aura une courte vie, très peu de pourvoyance, aura telle maladie et telle épreuve et tel problème. Mais c'est écrit que s'il fait l'aumône, s'il se comporte bien avec ses parents ou avec ses proches, il aura une longue vie assez de pourvoyance. Alors les anges, à un certain moment, ils ont écrit, il y a deux choses là à son sujet. Soit il ne fait pas ça, il ne se comporte bien, il ne se comporte pas bien avec les parents, avec les proches, il ne fait pas telle aumône et telle invocation, alors il aura une courte vie avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Et il y a que c'est possible qu'il fait ça et ça, alors il aura une longue vie et assez de pourvoyance. Lequel de ces deux choses va avoir lieu? C'est ce qu'Allah a su, c'est ce qu'Allah a prédestiné. Mais les anges, à un certain moment, ne sont pas au courant. Durant la nuit de Laylat al-Qadr, Allah Ta'ala leur donne information. C'est pour cela qu'on a dit qada mubram, qada conditionné, qada mu'allaq wa mubram. Alors on a dit ici, c'est une prédestination conditionnée. S'il a eu... S'il y a eu telle chose, aura telle chose. C'est une prédestination conditionnée. Mais maintenant, ce qu'il va être, c'est l'un ou l'autre. Allah Ta'ala a su, bien sûr. Et ce qu'Allah a su, il a prédestiné. Mais Allah a voulu, pour un certain moment, les anges ne seront pas au courant. Ils écrivent ça et par la suite, ils auront l'information. إذن في شيء اسمه القضاء المعلق أو القدر مبرم أو قضاء معلق يرجع إيش إلى ما ينقله الملائكة يرجع إلى ما ينقله الملائكة وهو أنه فلان مثلا يصيبه بلاء وحرمان وعمره قصير ويصيبه كذا وكذا من قلة الرزق وكذا وأنه إن تصدق أو دعا الله أو بر والديه أو وصل رحمه لا يصيبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا وعمره طويلا فيكتب فيكتب هذا كتاب ويكتب هذين الأمرين فإن يقال معلق بالنسبة لكتابة الملائكة
أو بالنسبة لما هو مكتوب أولا، ثم نقول الله يعلم أي الأمرين كائن، يعلم هذا كائن أم الآخر، ويطلع الملائكة في ليلة القدر ما يكون في هذه السنة من رزق ومصيبة وموت ونحو ذلك. لأجل هذا سمي قضاء معلق. فإذا الحديث لا يرد القدر شيئا إلا الدعاء، أو لا يرد القضاء شيئا إلا الدعاء، يرجع هنا إيش إلى المعلق. L'invocation que, dans le hadith qui dit il peut repousser al-qadar ou al-qada, c'est-à-dire ce qui est prédestiné, c'est la prédestination conditionnée. La prédestination conditionnée. Et par rapport à l'écriture des anges, et on dit ce qu'Allah a su qu'il va être. Si tu dis, mais non, ça, ça peut être changé, alors tu as attribué à Dieu l'ignorance. Et Zawahad Khal, là, yumkan an yataghayyar. قضى شيئا ثم غيره. Celui qui dit que Allah Ta'ala, oui, c'est possible qu'il prédestine que celui-là, au lieu de mourir à 40, il va lui prédestiner de vivre jusqu'à 60. Mais tu sais qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut que c'est pas seulement tu as dit que la volonté de Dieu change et c'est de la méfiance. Ça amène à dire que ce que Allah a su avant, il a su qu'il va mourir à 40, maintenant il a su qu'il va vivre jusqu'à 60, c'est comme tu dis, alors Allah a ignoré. Et tu attribues à Dieu l'ignorance, c'est de la mécréance. Et donc, Mashi'atullah la tataghayyar. Mashi'atullah la tataghayyar. La volonté de Dieu ne change pas, même si tu fais des invocations, même si tu fais l'aumône, même si tu fais ce que tu veux. La volonté de Dieu ne change pas. Alors maintenant, si quelqu'un, alors pourquoi on fait dua? Pourquoi tu dis, alors, داو مرضاكم بالصدقة soignez vos malades avec l'aumône. C'est un hadith. Soignez les malades avec l'aumône. Fais de dua. Demande à Allah Ta'ala la guérison, tout ça. Oui, c'est comme lorsque tu dis, va au médecin, prends le médicament. Ne mange pas trop de sucre. Ne mange pas gras. Ne mange pas avant de dormir. Tout ça. Mais tout est prédestiné. Oui, mais je prends les causes. Je prends les causes. Et dua, c'est parmi les causes. Parce que Allah a su, par exemple, que telle personne aura telle maladie. Et qu'à un certain moment, il demande à Allah Ta'ala la guérison et Allah Ta'ala le guérit. Suite à sa volonté et sa science, parce que Allah a su qu'il va tomber malade. Allah a su qu'il va faire une invocation et que son invocation soit exaucée et tout est prédestiné. Et tout est prédestiné. Pour vous dire un autre exemple, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il voulait partir au Cham. Et avant d'arriver là-bas, on a dit il y a la peste. Mithal. أنه أنا خليني أقول بالأول قبل ما أحكي هذا، قلنا الإنسان مشيئة الله لا تتغير. فقال واحد لما ندعو، لما ما أنت ورد في الحديث داو مرضاكم بالصدقة، اسأل الله تعالى الشفاء. قلنا هذا كله من عمل بالأسباب. الله علم أن فلان يصاب بالمرض وأنه يدعو فيشفى، بعد ذلك يستجاب دعاءه فتقضى حاجته، فالدعاء سبب. ولكن كل هذا مقدر، علمه الله وشاءه، علمه الله وقدره. كذلك فلان مريض يمرض يذهب إلى الطبيب يأخذ الدواء يشفى، كل هذا مقدر، المرض والذهاب إلى الطبيب والدواء والشفاء، كل هذا مقدر. فإذا مثال على ذلك، مثال آخر، سيدنا عمر il est parti vers le Cham وكان في أرض avant de rentrer on a dit il y a la peste في الطاعون. فماذا نفعل؟ certains disent on rentre, d'autres on revient. قال واحد من الصحابة أنا عندي من هذا علم. Un compagnon il a dit j'ai de la science à ce sujet. J'ai entendu le prophète Mohammed dire si vous entendez parler de la peste dans un pays, alors si vous êtes dedans ne sortez pas et si vous n'êtes pas encore dedans n'y rentrez pas. Alors Sayyidina Omar a dit alhamdulillah demain nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Un compagnon, il a dit, tu fuis de la prédestination de Dieu? Alors, Omar a dit, si c'était quelqu'un d'autre, c'est Abdurrahman ibn Awf, il a dit, si c'était quelqu'un d'autre. Parce que oui, on fuit de la prédestination pour la prédestination. C'est-à-dire, c'est une chose prédestinée là-bas, et lorsqu'on revient, c'est une prédestination encore. C'est une cause qu'on fait, qui est prédestinée par Dieu aussi. Even, Sayyidina Omar, lama sami'annu fi ta'un, واختلفت الآراء، منهم من يقول إيش نحن ندخل ولا نبالي الأمور تجري مشيئة الله وتقديره، وبعضهم قال لا ندخل هذا مرض يعني ينتشر بسرعة وكذا.
فقال أحد الصحابة: عندي في هذا علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به، يعني الطاعون في بلد، فلا تقدموا عليه، وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فسيدنا عمر ما قدم بعد، ما دخل على البلد الذي فيه الطاعون، فحمد الله إلى الويديو وقال: غدا نصبح على ظهر نركب إلى الرجوع. فقال بعض الصحابة: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. معناه ما حصل هناك بتقدير الله، ونحن إذا رجعنا أيضا هذا بتقدير الله، نعمل بالأسباب. يعني ce qui a eu lieu là-bas c'est prédestiné et le retour c'est prédestiné et si on rentre pas c'est prédestiné le retour c'est prédestiné. نحن دوما تحت قدر الله، on est toujours sous la prédestination de Dieu. Mais comme tu dis, voilà, tu prends, il y a deux chemins. Il y a deux chemins pour arriver à telle place. Pour aller au Hajj, il y a deux chemins. Ce chemin-là, il y a beaucoup de lions et des bêtes féroces. Et ce chemin, il est plus long, un peu plus dur, mais il n'y a pas de lions ni bêtes féroces. Tu vas faire quoi? Tu prends le chemin le plus long et un peu dur, mais il n'y a pas de bêtes féroces, il n'y a pas de lions, il n'y a pas de tigres, il n'y a pas de liens, ainsi de suite. Mais ça c'est prédestiné, mais si tu pars de l'autre côté et tu veux prendre de risques, encore c'est prédestiné. Mais on cherche les causes pour ne pas tomber entre les canines des lions, des lionnes. Mais les lionnes, c'est elles qui chassent, puis après ils invitent les lions à participer. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.